Christophe Willem ou plus mal. Il annonce une mauvaise nouvelle. Christophe Willem a partagé une photo sur son compte Instagram ce mercredi 22 novembre 2023. Et sa story ne risque pas de plaire à ses fans puisqu'il annonce une très mauvaise nouvelle pour ses concerts à venir. Christophe Willem est de retour sur le devant de la scène. Après sa première participation au télécrochet de la chaîne M6, Nouvelle Star en 2006, dont le casting fait encore énormément parler, le chanteur a enchaîné les succès. Une belle revanche pour celui qui a été victime de harcèlement scolaire, comme il l'a confié lors de son passage dans l'émission Au Coucou diffusée sur France 4 le 8 novembre 2023. Pour moi, la période la plus difficile, c'était clairement le collège. J'ai toujours été efféminé, mais ça fait partie de ma personnalité, j'ai toujours eu une voix aiguë. Au collège, j'étais la folle de la cour de récré, ce genre d'insultes. Le chanteur ajoute ensuite, « Chaque moment de temps libre, tu sais que tu es potentiellement une cible. » Pendant les premières années de ma carrière, je ne faisais pas de festival ou d'émission en extérieur parce que je me disais qu'il y aurait peut-être des gens pour m'attaquer. À cette époque, le harcèlement scolaire n'était pas autant évoqué qu'à nos jours. Christophe Willem décide alors de se murer dans le silence. Je pense qu'on est extrêmement fort quand on est petit pour dissimuler des trucs. J'avais deux personnalités et quand j'arrivais chez mes parents, personne ne pouvait s'imaginer que je vivais ça. Mauvaise nouvelle pour Christophe Willem. Fort heureusement, il trouvera la force nécessaire de s'en sortir auprès d'un psychologue. Aujourd'hui, Christophe Willem peut compter sur le soutien inconditionnel de ses fans. Une communauté queer essaie de ne jamais décevoir. Malheureusement, ce mercredi 22 novembre 2023, il vient de prendre la parole sur son compte Instagram pour annoncer une triste nouvelle, à savoir l'annulation de ses prochains concerts. Je me faisais une joie de vous retrouver cette semaine. C'est donc avec beaucoup de regret que je vous annonce l'annulation des dates de Martigues, Toulouse et Amiens. Je traîne une méchante laryngite depuis quelques jours qui nécessite malheureusement un repos vocal. Des solutions sont à l'étude pour reporter ces dates ou à défaut vous informer des modalités de remboursement. Merci pour votre compréhension. Ce n'est que partie remise.